pour glorifier son fils. Souvent, on ne comprend pas des épreuves par lesquelles nous passons. Des personnes à qui nous avons mis notre confiance, et ce sont des personnes à qui nous trahissent. Et souvent, nous sommes découragés, nous sommes abattus. Mais sachons que Dieu se sert de nos épreuves. Dieu se sert du mal que autrui nous fait souvent toi pour glorifier son nom dans notre vie. Père, c'est joie. Père, c'est joie. C'est pourquoi il nous faut nous ouvrir à cette présence de ressuscité. Les épreuves de notre vie sont faites souvent pour nous rapprocher davantage de Dieu. Et c'est le cas de Christ. C'est le cas de Jésus-Christ. Comme Pierre dit, et il faut comprendre que toutes les épreuves que nous vivons dans notre vie ne sont pas fortuites. À coup sûr, Dieu s'en sert pour se glorifier dans notre vie. Que le Seigneur, ce matin, qui connaît nos vies, qui connaît l'épreuve que tu vis, ce matin, cette épreuve que tu es venu me présenter, je prie qu'il s'en serve pour manifester sa gloire dans ta vie. Et le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est dans l'évangile. Voyez-vous, très souvent dans la vie, ceux qui sont grands, ceux qui sont puissants, ce sont les personnes qui passent inaperçues. Qui passent inaperçues. Mais au contraire, les personnes qui sont vides, ou comme on dit, qui viennent de réussir, la réussite des attributs. Très souvent, vous allez voir que ces personnes aiment un groupe de vie. Comme on aime à le dire, ce sont les groupes vides qui font du bruit. Oui, mes frères et sœurs. L'évangile de ce jour nous interpelle sur ce point. Jésus ressuscité se présente à ses apôtres. Et il présente deux éléments, c'est vrai. Il demande à ses apôtres de lui apporter quelque chose qui semble amener un poisson de Dieu. Pour leur montrer effectivement que c'est lui, qu'un esprit n'a pas de corps. Il veut nous montrer ainsi sa simplicité, son humilité. Jésus ressuscité avec un corps glorifié. Il dit à ses apôtres, je suis là, c'est bien moi. Il mange avec eux. Ce Jésus si glorifié que le temps et l'espace n'arrêtent plus, n'a pas changé ses habitudes avec ses apôtres. Le Jésus ressuscité n'est pas celui qui vient nous écraser. Il partage le quotidien de la vie de ses apôtres. Il dit, la paix soit avec vous. Cette paix vous le dit, ne soyez pas bouleversés, sanctifiez-moi. Je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Lui, il est très personne. Il vient nous rencontrer ce matin dans le quotidien, dans l'ordinaire de notre vie. La preuve, quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé sur le village, sur les grands. Il n'a pas changé d'endroit, il n'a pas changé d'amitié ou d'amis, il est resté avec les siens, ses apôtres, lui les frères et sœurs. C'était l'enseignement pour nous ce matin. C'était l'enseignement. Une des choses qui nous arrive, quand nous atteignons la gloire, où nous avons la chance d'atteindre une ascension sociale. Souvent, nous avons tendance à oublier ceux avec qui nous avons galéré comme nous. Nous avons tendance à les écraser. Nous avons tendance à les oublier. Et l'orgueil prend le sud. Oui, frères et sœurs, le Christ, moi et le sujet, un corps modifié. Il pouvait même au tombeau dire aux gens, dites à les apôtres de venir le trouver sur le tombeau. Mais lui même se déplace. Il apparaît à ses apôtres pour nous montrer son humilité, sa simplicité.